Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo non-ongles. Donc voilà, nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ça pourra vous plaire. Donc, vous me direz ça en commentaire. Et si jamais ça vous plaît, ben, vous m'enverrez vos photos. Donc, en discutant avec une abonnée, Erika, Bibika. Coucou ma belle, qui me partageait ses ongles, son nail art, hein, donc du coup, elle me dit j'ai mis des paillettes et ça m'a fait penser à toi. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, ça serait bien que je fasse de temps en temps une vidéo ongles où je reproduis vos nail art à vous. Alors, si vous m'en envoyez, n'abusez pas. Voilà. Vous voyez pas des trucs de cinglés non plus, genre les petits dessins et compagnie, je sais absolument pas faire. Donc voilà, restez dans le. Enfin, après, c'est suivant ce que vous faites. Donc, comme moi, vous n'êtes pas pro. Donc, je suppose que c'est assez simple ce que vous faites aussi. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être une idée sympa de reproduire vos nail art. Donc voilà, j'attends encore que vous me disiez en commentaire si ça vous plaît, que vous m'envoyez d'autres. Enfin, vos nail art à vous que vous voudriez que je reproduise en vidéo. Et je sélectionnerai celui qui me plaît le plus sur le moment où je vais le faire. Là, j'ai fait avec Erika, puisque voilà, elle me l'a partagé, elle m'a partagé le sien. Vous êtes nombreuses à le faire, hein, mais ça m'a donné l'idée de faire la vidéo du coup. Et donc, c'est ce nail art qu'elle a fait. Et j'ai beaucoup aimé le style léopard, enfin le motif léopard que j'ai jamais fait. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de le tester. Donc, j'ai pas exactement les mêmes couleurs qu'elle, mais on va y arriver. Donc pour le bleu de base, mais j'ai un poil depuis tout à l'heure là en dessous de mon yeux et j'arrive pas à l'enlever, ça m'énerve. Pour le bleu, j'ai pris un de chez Anselph, donc je connais absolument pas, c'est Marie qui m'avait envoyé tout un petit lot. Et je trouve que la couleur est pas mal ressemblante, c'est un bleu un peu grisonnant comme ça. Donc comme ça en même temps je pourrais tester, j'ai testé il me semble déjà une ou deux fois certains de ces vernis-là. C'est des petits formats, donc il faudrait que j'essaye un petit peu de les utiliser plus souvent pour les terminer. Pour le noir, bah, pas de surprise, ça sera le Black de chez Ongles 24. Hein, c'est le meilleur noir au monde. Voilà, c'est celui que j'utilise tout le temps, qu'il va falloir que je recommande d'ailleurs. Et du coup, elle a mis des paillettes également. Mais il m'énerve ce poil là, hein, je sais pas où il est collé. Je le vois quand je baisse la tête, enfin le regard. Mais je ne le vois pas là dans le miroir. Je ne sais pas. J'espère qu'il n'est pas collé sur mes yeux. Pour les paillettes, j'ai pris le Eevee Glitter Holo, toujours de chez Ongles 24. Oui, je vous une passion à Ongles 24, Your Sugar, Elite 99. Voilà, c'est mes bases, hein, Rosaline aussi. Et pour mettre un peu différentes tailles de paillettes, je vais mettre aussi un petit peu sur l'accent nail de l'annulaire de chez Model Ones, le Snowflakes, je ne sais plus quoi. Attendez. Chini Snowflake, c'est ça? Ouais. Bah donc de chez Model Ones. Et il est comme ça. C'est aussi des paillettes holographiques, mais avec des plus grosses dedans. Et ça fera joli, je pense, sur l'ongle. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve en filmant mes mimines sur mon bureau. Je ne sais pas si je vais le faire en voix off, en musique. Je ne sais pas encore suivant ce que je ferai en même temps que je fais mes ongles. Je pense que je vais les filmer un soir. Donc je pense que ça sera probablement en musique. Mais bon, après, voilà, c'est juste appliquer du vernis. Les techniques, je suppose que vous voyez. Après, je me répète tout le temps dans les vidéos ongles, donc c'est pas très intéressant que je parle. Vous me direz ce que vous préférez suivant ce que j'aurai fait. Si vous préférez en format voix off ou musique. Je sais pas encore comment je vais le jongler. Je vais jongler ça. Donc vous me direz ça en commentaire si ça vous convient ou pas. Et comme ça, on saura pour la prochaine fois, mais bon, les explications sont pas indispensables, je pense. Donc moi je vous retrouve avec mes mimines, je vous retrouverai pas face cam à la fin, donc je vous dis déjà de ne pas oublier de vous abonner et de mettre le petit pouce en l'air, de me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît et de m'envoyer par message privé ou par mail, si vous n'avez pas Instagram, ou sinon on va passer par Instagram, hein, vos nail art pour que je puisse le refaire je sais pas quand. Et me dire quel format vous préférez, voix off ou en musique. Voilà.
Thank you.